Hello tout le monde, c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Rogue sur PS3. La dernière fois, on avait récupéré une relique dans la ville de Lisbonne, une petite ville sympathique qui avait l'air très très sympa à visiter. Sauf que on ne le pourra jamais dans Assassin's Creed Rogue puisqu'ils ont décidé de la détruire totalement. En effet, en récupérant la fameuse relique dans le temple qui était situé sous la cathédrale de Lisbonne, eh bien, il y a eu, ça a déclenché un séisme et ça a détruit une grosse partie de la ville de Lisbonne. Shay, en revenant de sa mission, en a parlé de manière très très houleuse avec ses responsables qui l'ont mis de côté. Du coup, Shay n'a pas envie de se laisser faire et il va décider d'aller s'infiltrer dans le domaine de Davenport. Donc ça, c'est le manoir des assassins en fait, où se trouve la secte des assassins. Et là, on va devoir s'infiltrer dans le manoir. Voilà, entre autres, ce qu'on a pu faire durant la... Qu'est-ce qui s'est passé? On va peut-être se mettre là. Il n'y a qu'une chose à faire. Il y a quelqu'un qui a couru là-bas. Je sais pas ce que c'était. Il n'y a pas l'air d'avoir de personne. On va essayer de se faufiler comme on peut jusqu'au manoir. Pourquoi tout le monde se bat? Tout le monde part en courant, c'est un peu étrange. Bah non, j'ai pas envie d'activer un code triche. On va peut-être essayer de s'infiltrer dans le manoir pour voir c'est qui s'y trame. Je sais pas par où je dois passer. Il n'y a pas l'air d'avoir âme qui vive dans le manoir. Bah voilà, on passe par la porte. Hein? Autant passer par la grande porte. Localiser la cible. Il n'y a pas l'air d'avoir âme qui vive. En haut. À l'étage. Alors, je suis plus du tout dans un monde familier, comme vous pouvez le voir. La carte est totalement rouge. C'est-à-dire, je suis pas censée être ici. Vous voyez un peu les assassins, les différentes zones, les reliques qu'on devrait retrouver. Normalement, c'était le plan des assassins. Mais du coup, là... Oh, joli petit bug. Oh, le ralentissement de fou furieux dans le jeu. Vous l'avez vu, c'était assez furieux. Alors, Shay n'a pas envie que le séisme ne se déroule dans d'autres villes et qu'elle... tue d'autres personnes. Oula. J'avais fondé de grands espoirs sur toi, Shay. Achille, je n'ai pas le choix. Ah ouais, bah c'est pour ça que je me fais renier des assassins, là. Tu choisis de détrousser tes frères. Tu choisis de me trahir. J'avoue, ce que je viens de faire, c'est pas très intelligent. Expier nos crimes. Expier ? Tu n'as pas conscience de ce que tu fais. L'avenir de tout le continent, peut-être même du monde entier, est lié à ce manuscrit. C'est possible. Mais nous n'avons pas à décider de cet avenir. Erreur. C'est notre responsabilité. Achille, nous sommes déjà responsables d'avoir tué des innocents et détruit des villes entières. Ce pouvoir nous aveugle. Cela doit cesser. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que nous avons bâti. Oula! Il y aura peut-être un QTE ou un truc comme ça. Attendez, non, c'est une cinématique. Ah là, je me fais renier des assassins. À tout jamais. Donc on comprend mieux maintenant les motivations de Shay. Oh, le mortier. Ouh la vache. On va essayer d'éviter le mortier au maximum. Ouais. Oh la vache, mais ils sont fous, ouais.
Tout ça m'en fout. Hop là, on va les éviter aux potions, éviter de... Hé ! Qu'est-ce que tu fous ? Essayer de pas avoir un combat avec les personnes que l'on rencontre. Punaise, c'était bien gardé quand même cette île. Hein. Oh la vache. Ah, vite. Ah. Punaise, mais lâchez-moi. J'ai rien fait. Je veux juste sauver l'humanité. Où est-ce qu'il est censé en rester ? Alors là, oui, il y a un nouveau type d'ennemi qui court très 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 vite. Et du coup, voilà, comme celui-là par exemple, n'est-ce pas ? Et du coup, qui est très très énervant, est-ce qu'il me plaque au sol ? Bon, j'ai essayé d'éviter au maximum les combats, hein, pour... Rends-nous le manuscrit, Shay ! Je suis sûre qu'à... Je refuse ! Cela ne doit jamais se reproduire. Toutes ces âmes perdues. Il y a raison. Une de plus n'y changera rien. Shay ! Oh la vache. Ne subissez aucun dégât, ne tuez personne. Ah bah voilà. Je devais ne prendre part à aucun combat, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'était sympa cette... Bah voilà, on comprend un peu mieux les motivations de Shay. Du fait qu'il a été totalement radié des assassins. Qu'est-ce qui se passe ? Un bug dans les mémoires. On dirait qu'il reste des données. Ok, cobaye, je peux pas te sortir de l'animus pour le moment. Va falloir que tu continues. Ah, oh, super. C'est vraiment bizarre. Ces mémoires ont l'air de se dérouler 20 ans après celles qu'on vient de voir. Vous en êtes certaine ? Oui. Et ça signifie que Shay a survécu à sa chute. Si c'est l'homme que je recherche, ça ne fait aucun doute. Poursuivez. Alors, sachez que dans le monde moderne... Je vais voir ce que je peux faire. Écoute, faut qu'on découvre ce que Shay est en train de faire. La prochaine mémoire risque d'être un peu brutale, mais je suis presque sûre que le séquençage te tuera pas. Oh, super. Alors, sachez qu'on travaille toujours pour Abstergo, hein. Et qu'on est un employé de chez Abstergo, et qu'on essaye de fouiller les mémoires de Shay, en fait. Ok, cobaye. On ignore où se trouve Shay et ce qu'il fabrique dans le coin. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Je veux savoir pourquoi Shay s'est rendu à cet endroit. T'as entendu le boss ? Bouge-toi. Alors, re tout le monde, alors désolé pour cette interruption très très brutale dans le gameplay, hein, je suis vraiment désolée. J'ai été un tant soit peu coupée dans mon élan. Donc là, du coup, là, ça devrait le faire. Je ne sais pas où on est. Je ne sais pas du tout où on est. Pas du tout. On n'a plus du tout la même tenue, comme vous pouvez le voir. On a une tenue totalement différente. Et je ne sais pas. Peut-être qu'on est déjà un templier. Ou qu'on est un mercenaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Alors là, en fait, il précise. Dans le jeu, par exemple, là, on voit qu'on a un mur invisible. Alors ça, c'est dû surtout au fait qu'il y a soi-disant une... des données manquantes dans la séquence où on se trouve. Alors du coup là, je sais pas du tout où je dois aller. Peut-être par là. Et alors ? Ah c'est bon. Alors, j'ai trouvé. Vous l'avez trouvé ? Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin, c'est donc lui que Shay recherche. Franklin s'est rendu en Angleterre et en France. Or ce type a parlé de Notre-Dame. Shay doit être à Paris. C'est le moment de faire tes preuves. Éliminez la menace. Protégez Franklin. Vite. Vite, vite, vite. J'aurais tué un... Hein. Non ! Oh mince ! Oh, j'ai tué quelqu'un ! Non ! Vite ! Alors là, apparemment, je... Allez, vite ! Ah ! Ah, c'est pas possible. Où es-tu ? Tu descends ? Hein ? C'est pas possible. Ce game... Ah. Allez, c'est bon. Voilà, sauver Benjamin Franklin. Bon, du coup, là, il y a l'autre qui s'est barré de l'autre côté.
Voilà, on va essayer de monter par là, ça va être beaucoup plus rapide. Vite ! J'ai perdu de vue. Voilà, c'est parfait. Nickel. Bon, j'ai sauvé Benjamin Franklin. Là, je suis à Paris, apparemment. Ça fait un petit écho à Assassin's Creed Unity. Il ne nous échappera pas cette fois. Vous voyez un peu la différence au niveau des PNJ. Il n'y en a pas beaucoup dans la zone, donc... Et merde! Que s'est-il passé? On est à court de données. C'est impossible de continuer. Pour l'instant. Shay n'a pas pu mourir et réapparaître en France 20 ans plus tard. Il nous manque une pièce. Oui, il y a forcément... Il y a un petit peu un écart là, entre les deux. Shay s'est éparpillé dans le cloud. Et comme le virus a complètement foutu en l'air les serveurs, on ne peut pas y accéder. Mais dis pas que c'est un DLC quand même. Oh la raison quoi. Et moi je suis occupée. Tu devrais aller voir Otzoberg. Tu le trouveras dans un des bureaux. Ah non, zut. Bon bah voilà, on saura pas plus que ça. Rising Phoenix coming soon. D'accord, bon bah on est revenu dans l'univers moderne, voyez-vous. Sachez quand même qu'il y a eu un problème au niveau des serveurs, il y a eu un virus. Ce qui explique en fait, explique un tout petit peu, mais dans le scénario, ça explique le fait qu'on peut pas accéder à toutes les données. Voilà. Bon bah je. Oula, pourquoi il y a autant de monde là-dedans? Cormac est un assassin. Mais sans la tête que tu as. Avec ceux de vos logiciels de divertissement. Je pense que Shay est peut-être le plus important de tous les assassins de l'histoire. Ah oui. Vos efforts vont m'aider à trouver quelque chose que je recherche depuis très longtemps. Mais là, vous sentez que c'est le grand méchant, là. Vous bénéficiez. Oh. J'aurai une meilleure place, j'aurai votre place, je sais pas, j'aurai une promotion. On peut utiliser un autre serveur pour accéder aux prochaines mémoires de Shay. D'accord, bon. Mais j'ai besoin des cobayes si vous voulez qu'on continue. Vous savez quoi faire. Mais réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. D'accord, bon, c'était un entretien très très rapide. Apparemment, je fais peut-être du bon boulot. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il me dit pas plus que ça. On va peut-être pas s'attarder sur les ordis là à proximité. On va surtout essayer de se concentrer sur la mission principale. Alors j'ai réparé ce truc pour qu'il fasse l'aller-retour jusqu'à la réception. Je prépare ton animus pendant que tu t'amuses en bas. D'accord, ok, bon, j'y vais. J'ai ajouté l'emplacement du serveur suivant sur ta carte. Vas-y. J'y vais. Bon, bah, de toute manière, on peut pas aller bien loin. Merde, j'ai oublié. Le serveur est protégé par une sécurité niveau 1. Hein ? Je vous ai assigné une autorisation de niveau 1. J'espère que nous n'aurons pas à subir de nouveaux retards. Parfait, tu peux accéder à la salle des serveurs. Alors là, en fait, on a des tablettes qui sont un peu éparpillées dans le temps. C'est des documents que l'on récupère. Jean-François Brunet à Mélanie Lemay. Triomphe des Borgia. Je crois que c'est une mauvaise piste de s'apesantir sur sa famille bancale. J'ai corrigé ton pitch initial, ça donnerait quelque chose comme ça. La quête de Rodrigo Borgia pour réformer les excès irrationnels et la corruption de l'église catholique et son ascension jusqu'au Saint-Siège. Soyez le témoin privilégié de sa vie, de ses réformes et de sa mort improbable. Sinon, le programme est excellent, c'est du beau travail. Toutes mes félicitations à ton équipe. Voilà, en tout cas. Établis les serveurs, je chargerai la suite des mémoires de Shay dans ton animus. D'accord. Apparemment, je dois relancer un serveur. Et il y a vraiment personne, quoi, à l'entrée. Alors, sachez qu'ici, il y avait... les deux personnages qu'on n'en voit plus depuis un moment, Sean. Et une autre fille. Ah, je me souviens plus de son nom, c'est horrible. Ah, ça, j'ai fait ça une ou deux fois. Comment on fait déjà pour basculer d'un truc à un autre? Choix de l'anneau. C'est pratique ça. Attendez. Voilà. Non, celui-là j'ai déjà fait. Non plus. Voilà. Bon, c'est un truc tout simple. Hein. Enfin, après il y a des choses un peu plus compliquées au niveau des énigmes. Mais bon, là vu qu'ils considèrent peut-être qu'on n'en a pas déjà fait auparavant, ils mettent un truc simple. À votre signal. Commencez. Go, go, go! Qui êtes-vous? Ah, Far Cry 3, regarde. Ne la touchez pas. Far Cry 5, je sais pas ce que c'est. Oh, par pitié, maîtrisez-le.
C'est un bébé. Vous, donnez-moi l'enfant. Tout va bien. Qui est donc ce bébé ? Elina ! Calmez-vous, monsieur Berg. Je vous promets que je ne ferai pas de mal à votre fille. Qui êtes-vous ? Je suis Warren Vidic, d'Abstergo Industries. Vous avez quitté le régiment d'outils Jaeger pour devenir mercenaire et offrir à votre fille Elina un meilleur traitement contre la mucoviscidose. Avouez que ce n'est guère conclure. Percale ! D'accord. J'ai une offre à vous faire. Je ne travaille pas pour des inconnus. Non, pas ce genre d'offre. Je vais sortir un objet de ma poche. Qu'est-ce que c'est ? Cette petite pilule ? Eh bien, c'est pour elle. Tiens, mon enfant, prends ton cachet. Non ! Là, là, ça va mieux, hein ? Cette pilule peut la guérir. Elle n'est pas sur le marché, mais vous pouvez l'obtenir en participant à un petit programme d'entraînement que j'ai mis au point. Qu'est-ce qu'Abstergo attend de quelqu'un comme moi ? Vous ne travaillerez pas pour Abstergo. Mais si vous donnez satisfaction, Abstergo travaillera pour vous. Je ne veux qu'une chose avant d'accepter. Dites-moi. Ce type, là, il a fait peur à ma fille. Je comprends. Messieurs, relâchez Monsieur Berg. Jenkins, donne-lui ton arme. Quoi ? Maintenant. Oui, chef. Satisfait ? C'est un début. Ok. Vraiment étrange comme... D'accord. Ostobeng. Ostobeng. Les données sont rudimentaires, mais ça suffira pour avancer. Allez, je crois qu'elle n'est pas au courant que j'ai réussi à accéder à certaines données un peu étranges. Félicitations, vous avancez à grands pas. Je suis impatient de découvrir ce que Shay nous réserve. En tout cas, on ne va pas pouvoir le savoir aujourd'hui. Aussi d'accéder à d'autres secteurs de l'immeuble. Oui. Si tu as envie de te dégourdir les jambes entre deux sessions dans l'animus. Alors là, ça, il va falloir que je le fasse, surtout pour comprendre un peu l'histoire sous-jacente d'Assassin's Creed Rogue. Parce que c'était une partie relativement importante de Black Flag. Et je pense que c'est tout aussi le cas pour Rogue, en fait. Donc il va falloir que je m'attarde là-dessus. Et je ne vais pas me relancer, en fait, dans l'animus tout de suite. Je vais laisser ça pour le prochain épisode. Alors, je ne sais pas si la vidéo aujourd'hui qu'on a faite aujourd'hui a duré relativement longtemps. Je ne sais pas du tout. Je préfère mieux m'arrêter, faire une vidéo courte que continuer, parce que je ne sais pas combien de temps ça va se poursuivre cette mission, et je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas combien de minutes. Donc du coup, je préfère m'arrêter maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques nouvelles informations sur l'histoire en général. On avance plutôt bien depuis les deux derniers, enfin cet épisode et l'avant-dernier épisode, du coup celui de la semaine dernière, on avance plutôt bien au niveau de l'histoire, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on attendait vraiment de connaître la suite, hein, de comprendre les motivations de Shay, maintenant on le sait, et on aimerait savoir ce qu'il a pu faire durant ces 20 années où il y a eu une énorme coupure, et là je pense que petit à petit on va le découvrir dans le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut.